Oui. Alors, ton soin, Frauke, de la semaine passée, ça m'a, waouh, fait un effet, comment dire, tellement. J'étais tellement dans la gratitude et tu sais, je garde ce sentiment maintenant. J'ai beaucoup d'émotions, de positivité. Ça m'a ouvert quelque chose, tu sais. Ça m'a ouvert comme une conscience je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais un bien-être incroyable. Et tu sais aussi, c'est ben, la pratique aussi des M2P que je fais et ce que je découvre, tout le processus, c'est magique. C'est fascinant. J'ai dit aussi à Pascal et Nelly, en fait, c'est fascinant, il n'y a pas d'autre terme. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour le croire. Oui, c'est vrai. On peut parler beaucoup de ça, mais si tu le vis pas, si tu peux pas témoigner, qu'est-ce qui se passe dans ton corps avec l'autre, comment nous sommes en résonance cœur à cœur et comment en fait le chant agit sur nous, hein? Oui. Le moment on lâche, la commence, tout commence. Et c'est oui, il n'y a pas des mots parce que c'est invisible. Mais comme tu dis, il y a quelque chose qui a changé et c'est plutôt vers ouverture, perception, waouh. Ouais, c'est ça. C'est l'ouverture, la perception. C'est comment on... C'est difficile à expliquer, mais c'est comme, je sais pas, comme si je comprenais quelque chose et que ça change quand même beaucoup de ma perception, oui, du quotidien, d'aujourd'hui, de comment se comporter. C'est beaucoup plus de sagesse. On peut dire ça comme ça. Voilà, ça commence bien notre deuxième rendez-vous pour un soin. Oui, et puis j'ai fait de la publicité pour toi aussi à une de l'école du cours du jeudi soir aussi qui a pris contact avec toi parce que j'ai dit, tu es la boss Ah, de ça. méthode des deux points et c'est beau de pouvoir voir aussi comment tu fais, l'impact que ça a sur nous pour aussi nous apprendre, tu sais, de toi. Ouais. Alors, si tu me permets, parce qu'on va publier cette vidéo, je peux directement faire une résonance pour toi sur ton état d'être aujourd'hui. Après, on va arrêter le film, mais c'est juste pour montrer comment c'est quand même très différent comment je travaille les choses. Ok, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis absolument d'accord. Ok, alors je vais me préparer là. Voilà. Alors, quand je travaille à distance avec quelqu'un, je me prépare moi-même déjà, tout mon corps, tout cet magnifique outil, notre corps et cœur humain. Alors, je vais vérifier si je suis bien ancrée, connectée en haut. Je le vois à l'intérieur, je peux le percevoir. Je perçois aussi cet or qui commence, qui je peux observer là, à l'intérieur, cette énergie libre. Et je vais ouvrir le champ avec mes deux mains. Et ressentir les deux mains, mettre ma conscience à deux, les pieds quatre, ma tête cinq, le cœur six points en même moment. Joie et gratitude. Mon cœur salue ton cœur, Marie-Rose. Voilà. Je commence toute application à distance et ça c'est moi. Pas tout le monde le fait comme ça, mais le chant m'a fait vivre ça. Alors je vais demander juste comme une empreinte de Marie-Rose d'aujourd'hui, de tout son être, multidimensionnel, tous les corps, toutes les vies.
comment une onde, une champ d'énergie peut se présenter sur mon corps si je prends une empreinte. Alors, je vais juste penser Marie-Rose. Ok. C'est un peu de, le formule A, le car racing. Alors, c'est toujours, je reste toujours plutôt positif, ludique, parce que même si ça c'est une réaction un peu forte, mais je suis stable, c'est juste la tête. On cherche encore, il y a encore quelque chose qui tourne, mais qui veut trouver son centre, hein, c'est ça, hein, ça fait voilà. Alors je vais le prendre, cette résonance, je vais intriquer cette résonance avec toutes les histoires, avec ma main gauche, et avec l'autre main j'accueille des ressources. Les vagues, les grandes vagues dans la mer avec le vent. Voilà. Les coquillages. L'eau. Une porte qui est ouverte. Une petite objet. Voilà, alors j'accueille toutes ces fréquences, informations qui se sont en train de se intriquer avec ma main droite. Et voilà. Ça saute dans mes yeux. En même moment, c'est activé. Intégration, activation de toutes ces belles ressources, remèdes, ici et maintenant, dans ton corps. Dans ton être. Activation des ressources. Je ressens encore une onde tordue en moi. En fait, ça se fige. Ma colonne cérébrale, ça, en bas, ça, c'est comme ça tourne, ça, c'est pas flexible. Alors, c'est en route. Les deux champs d'information se joignent dans le champ du cœur pour être alignés, ordonnés, harmonisés. Tu ressens juste qu'est-ce qui se passe en toi. Main gauche, Marie-Rose, l'intention, transformation des blocages. Ah, ça joue dans le solar plexus. C'est là où j'ai ma main. Oh là 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 là. Oui, là, ça a bien travaillé là, dedans. Alors, nous sommes en résonance. Je le ressens, toi tu le ressens. C'est en route là. On va laisser un peu travailler le champ. Laisser travailler le champ. Et tu respires tranquillement dans ton ventre et tu expires. Voilà.
Je remets mes deux mains. Je ressens mes deux mains, mes pieds. Je suis présente à 100%. Joie et gratitude dans le cœur. Nous sommes bien connectés cœur à cœur. Main gauche à toi. Tu le mets sur mon cœur. Main droite. La variante optimale. Je demande tout ce processus pour toi, pour ton être. Toutes les informations, fréquences qui vont jouer avec vont se intriquer avec ma main droite maintenant. Et voilà. Intégration, activation de la variante optimale pour toi, Marie-Rose. J'ai beaucoup de claquements dans mes oreilles. C'est une signification d'une grande transformation dans le champ. Et mes yeux, ça fait clac-clac aussi. Beaucoup d'histoires. Intégration, activation de la variante optimale. Voilà. Voilà. Toutes ces nouvelles informations sont en train de rentrer. Bien être flexible, bouger à gauche, à droite, être attentif à tout. Je ressens quelque chose comme le regard. C'est comme il y a un truc là ici qui fait encore plus précise, plus clair, voir les choses plus claires. Là, ça s'ouvre. Et mes jambes font comme ça, là, pour bien prendre toute cette énergie, toutes ces informations dans chaque cellule. Tu ressens quelque chose? Oui, je ressens dans tout mon corps des vibrations, comme des fourmillements et une énergie qui passe. Donc, très fort au niveau du plexus solaire. Donc, j'ai eu plusieurs fois comme des secousses. Et justement, beaucoup, beaucoup d'énergie qui passe dans mes jambes, dans mon corps, des frissons, du bien-être. Enfin, c'est très spécial. voilà. Oh là là. Oh, super. Non, mais je sens, alors je suis en résonance, je me sens aussi comme un peu adolescent, comme... maintenant, on y va. La force est là, c'est dingue. C'est ça, un peu avec cette énergie, hein. Wow, ouais. On commence la vie, là. Oui, alors là, c'est vraiment un nouveau départ. Ok, je vais quand même faire une résonance et on va regarder ensemble où nous sommes actuellement. Alors là, il y a aussi cette joie qui monte, c'est vraiment cette énergie et envie de faire quelque chose. Alors, je le ressens dans tout mon corps. Et je vais maintenant, ok, me calmer, là. Et je vais dire juste, ok, j'aimerais avoir une empreinte maintenant directe de Marie-Rose sur tout son être. Alors, Marie-Rose, ok. Ok, cet mouvement de tête est plus là, mais par contre, il y a une tension dans tout l'être, il y a encore quelque chose qui est tordu. Alors, je prends cette résonance, je le fais direct
Et avec l'intention. Transformation du bloc. Cache. Oups. Ah, hi, ah. Alors, il y a quelque chose là qui me dit, à faire une ligne temporelle là. Il y a quelque chose qui est plus vaste, plus... Oh. Si on dit plus ancienne, ce n'est pas vrai parce que tout est à la fois. Mais peut-être dans d'autres vies, il y a des trucs qui ne sont pas encore bien réglés. Alors, je vais aller maintenant mettre toutes ces histoires qui font qu'il y a quelque chose vraiment encore tordu en toi. Je vais le mettre sur cette ligne temporelle. Je demande tous les événements, dans toutes tes dimensions, tous tes corps, toutes tes vies, dans tout l'espace-temps, à l'infini, je demande les événements qui font que, qui sont responsables, que je ressens encore une torsion là, en moi. Ils vont se présenter sur cette ligne temporelle. Voilà. Et on va libérer les énergies qui sont encore figées. Vibration. Libération. Ok. Ah, il y a quelque chose là. Ouf. On va le mettre en point zéro. Voilà. Ok. Rose. Ok. Je détourne. Activation. Je me sens incroyablement ancrée dans mes jambes, comme si j'étais un bloc, tu sais, que j'avais un bloc de pierre dans mes jambes. Mmh. Oui, ouais, je ressens une bonne stabilité. C'est pas une bloc qui va te figer, mais c'est juste une bonne ancrage là. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Je vais faire une résonance. Tout ton être, ici et maintenant. Yeah, c'est good. Ok. Marie-Rose. Ok. Ouais.
Maintenant, je ressens cet alignement vertical. Hein? L'énergie monte, ça descend. Et là, on a déjà globalement aligné, harmonisé les choses. Merci, merci beaucoup. Je vais dire, je vais arrêter la vidéo et on va aller plus loin avec tes thèmes, ok? Merci. Merci pour ce partage avec tout le monde. Oui, génial. Voilà.